Martinique, a wonderful Caribbean island that has a rich biodiversity ranging from its rivers to its forests and volcanoes, including the Montpellier volcano that were listed as UNESCO World Heritage Sites last September. Here is a little video about its mangroves. La mangrove est un écosystème mi-marin, mi-terrestre qui regorge de multitudes d'espèces animales et végétales telles que des palétuviers, des poissons, des crustacés, mais également des hérons et des oiseaux migrateurs. Toutefois, l'équilibre sur lequel repose cet écosystème est fragile. En effet, à cause des activités anthropiques et industrielles polluantes, certaines mangroves martiniquaises ont totalement disparu ou sont dans un état critique. Notre démarche portera sur les crabes, particulièrement les crabes violonistes, couramment appelés sémaphotes, en raison de la grande pince que les mâles agitent lors de parades nuptiales, donnant l'impression de s'excuser ou de jouer du violon. Nous cherchons à résoudre le problème suivant. Peut-on utiliser les crabes violonistes comme indicateur de la santé des mangroves? Nous tentons de savoir si le nombre de crabes est lié à la quantité de pollen présent dans le sol et dans la base de la mangrove. Pour cela, nous allons mettre en place des quadrats afin de compter les trous de crabes et le nombre de crabes sur une surface de 1 mètre carré. Puis, nous prélèverons des échantillons de base et d'eau et nous chercherons à évaluer la salinité et la concentration de deux polluants, les nitrates et les phosphates. Nous attendons à ce que la quantité de crabes varie en fonction de la pollution des mangroves, c'est-à-dire que plus une mangrove est polluée, moins il y a de crabes. D'accord, mais comment devons-nous procéder? Nous aurons besoin du matériel suivant. Des quadrats de 1 mètre carré, un compteur, une potence avec burette graduée, plusieurs béchères et pipettes biogées, une éprouvette graduée, des solutions d'identification des ions nitrates, des ions phosphates et du pH, et un microscope. Tout d'abord, nous sommes allés à la mangrove de la Caravelle, une mangrove protégée depuis 1976, afin de réaliser nos comptages. Nous avons posé nos quadrats et avons observé des crabes violonistes, mais en raison de la marée montante en début d'après-midi, nous n'avons pas pu obtenir de résultats satisfaisants. Nous y sommes donc retournés un deuxième jour pour des données exploitables et nous avons compté beaucoup de crabes. Puis, nous nous sommes rendus à la mangrove rose de la zone industrielle du Bac et du Galion. Après avoir traversé le cours d'eau à l'aide du bac, nous avons effectué trois prélèvements et mesuré les conditions du milieu, telles que la température, l'humidité et la vitesse du vent. Nous remarquons par ailleurs de nombreux déchets signes d'une forte pollution et soulignons la proximité avec l'usine à sucre du Galion. Aucun crabe n'était visible. Enfin, nous sommes allés à la mangrove de Mancabri, derrière la zone industrielle du Lamantin. Nous avons suivi la même méthode et avons constaté que le nombre de crabes variait selon la zone. Dans un second temps, nous avons analysé nos prélèvements en laboratoire. Nous avons d'abord laissé décanter l'eau extraite de la vase, puis nous l'avons prélevée afin de mettre en évidence des ions nitrates, des ions phosphates et de mesurer le pH. Par ailleurs, nous avons remarqué que l'une des solutions était recouverte d'une fine couche d'hydrocarbures ou alors d'algues photosynthétiques. Nous avons alors réalisé une chromatographie pour mettre en évidence d'éventuels pigments chlorophylliens, sans succès. Ensuite, nous avons effectué des titrages conductimétriques des ions chlorures pour chaque solution. Nous avons dû recommencer plusieurs fois, car nos solutions étaient beaucoup trop concentrées. Nous constatons que la salinité n'explique pas le nombre de crabes. Par exemple, la mangrove de Mancabri, plutôt salée, comptait beaucoup de crabes à certains endroits et très peu à d'autres. Concernant les polluants, à Mancabri et au Galion, nous avons mis en évidence, notamment pour les nitrates, une quantité supérieure à 1 mg par litre là où nous n'avions compté aucun crabe et inférieure à 1 mg par litre dans une zone où plusieurs crabes ont été dénombrés. Pour la mangrove de la Caravelle, où il y avait énormément de crabes, nous considérons que le milieu n'est pas pollué, car la zone est protégée depuis près de 50 ans. Nous pouvons en déduire que le nombre de crabes dépend de la concentration en polluants dans le milieu. En conclusion, suite à nos expériences, nous pouvons plus ou moins affirmer que plus une mangrove est polluée, c'est-à-dire proche d'une zone industrielle, moins il y a de crabes et moins ils sont actifs. Ainsi, nous est nécessaire de protéger la biodiversité des écosystèmes pour conserver l'équilibre du vivant, en nous sauver ces mangroves-là pour préserver richesse nous. Oh! Et moi? Tout va bien. C'est fini.